petit message de G-Antoine G qui nous dit les confinements c'est comme les films. Le premier était bien, mais le 2 et le 3 ils sont pas fous. C'est vrai. Triste c'est réalité, mais sincèrement réel. Hello, 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 hello! How's going on, guys? Today I'm English, my friend. Bonsoir à tous! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cinquième épisode de La Roue. Tous ensemble, on va passer un bon moment, vous le savez déjà. La Roue, c'est votre terrain de jeu. On joue, on vous écoute, on vous donne la parole tranquillement. Et ben, on va pouvoir présenter nos candidats. Comment ils vont, nos candidats? Regardez comme ils sont beaux. Voilà. Incroyable. Ça fait plaisir, des petits coucous comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La poste autrichienne a créé un timbre à motif de papier toilette en clin d'œil aux ruées dans les magasins l'année dernière suite au Covid. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était la guerre, tout le monde voulait absolument du PQ, donc il y avait des ruptures de PQ partout. En vrai, ils en seraient capables, hein, donc ouais, je pense que c'est vrai. J'avoue que ce serait un sacré coup de com' quand même, mais après les timbres, c'est très officiel, donc... Moi, je pense que c'est faux, plutôt. Je vais dire fake news. C'était une vraie news. C'est vrai. C'est vrai. Allez, là, tu prends un point. C'est complètement fou, je suis d'accord avec vous. Le projet a mis quelques mois à se réaliser, mais permet de reverser une partie du prix des timbres aux personnes les plus durement touchées par la pandémie. C'est une vraie news. Il y a vraiment eu des timbres en PQ. Quel livre a connu un grand succès pendant cette crise sanitaire? La Bible. Je me dis qu'il y a des gens qui ont peut-être pensé que c'était la fin du monde, donc c'est possible. Je tente la peste. Tu as tenté, aujourd'hui, dans la roue, tu as tenté de faire quelque chose de grand. Et bien heureusement, t'as bien fait de tenter, parce que c'est la bonne réponse. Yes. Ça fait un point. Wouh. On est ici pour profiter de l'ambiance du parc et tout, vu qu'on habite en appartement. Mais rien à voir avec les pétards qui explosent à gauche à droite. Hein. Des pétards qui donnent le véritable signal des festivités vers 16h. Des sonos font soudain leur apparition, faisant éclater les bulles de 10, plus ou moins respectées jusque-là. Mais cela n'empêchera pas les affrontements d'éclater entre participants d'abord, puis avec les forces de l'ordre. Moi, je suis là pour mes droits, pour protester, parce qu'il y a plein de frères qui sont frappés par la police, il y a des manques de respect. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui pour revendiquer leurs droits et parce qu'ils en ont marre de ces gouvernements à la con, des masques et de tous ces trucs qui nous entourent pour rien. Qu'y avait-il réellement lors de cette journée au bois de la Cambre? Bon, il y avait plus ou moins 2000, 3000 personnes, on ne sait pas trop, en tout cas dans ces eaux-là. Et il y avait plein de personnes différentes avec des objectifs différents. On l'a vu, il y avait des gens qui voulaient juste chiller dans le bois de la Cambre et ça, c'est tout à fait OK. On l'a dit depuis plusieurs semaines maintenant. Il y avait des casseurs aussi. Des casseurs, on les a vus à un moment, c'est eux-mêmes qui ont commencé à se battre, alors non pas avec la police, mais avec les gens qui étaient venus pacifiquement. Donc d'abord, ils se sont mis sur la gueule les uns après les autres, et puis c'est là que la police est intervenue pour un petit peu calmer tout ça. Quand même, il y a un point commun, c'est que tous ceux qui étaient là, ils avaient envie de dire que les mesures, ils n'étaient pas d'accord avec, et ça, c'est vraiment la seule chose qui est commune à tous ces groupes de gens différents qui avaient parfois des envies différentes, de la façon d'exprimer différentes, mais ils avaient une envie, une motivation commune, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les mesures. Je suis un petit peu mitigée par rapport à ce sujet, parce que je comprends le fait de vouloir sortir. Mais après, le bois de la Cambre, c'est géant. C'est vraiment gigantesque comme parc. C'est très très grand, et si on veut pas se coller, on peut ne pas se coller, on peut respecter les distanciations sociales. C'est tout à fait possible, donc ceux qui ont voulu ne pas les respecter l'ont fait exprès. J'avoue que c'est pas facile de respecter quand on veut voir des amis. Pour le reste, il faut garder un respect et se dire que c'est pas pour soi qu'on fait les efforts, c'est pour tout le monde. Donc c'est vraiment arrêter de penser à soi et penser vraiment aux conséquences qu'on peut entraîner avec ça. Ça avance, on avance, on voit le bout du tunnel, surtout vous les Belges, vous avez beaucoup de chance. Vous allez plus avoir de couvre-feu et ça, j'avoue que je suis un peu jaloux. On va devoir attendre en 29 juin. Le 10 avril 2021, en France, je pouvais sortir pour acheter un petit truc au Night Shop. Bah non, tu pouvais pas. Eh ben, c'est une très bonne réponse, félicitations. Félicitations. Yeah. Les Night Shop,
Ça n'existe pas en France. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ça n'existe pas. C'est fou. Non, on n'a pas ça en France. Mais grave. Ça n'existe pas, vraiment. Sonia, le 26 avril en Belgique, je pouvais aller me faire couper les cheveux. Oui. Oui, oui, oui. Tu penses que c'était possible? Eh ben, c'est une très bonne réponse. Félicitations, Sonia. J'ai même pas répondu, j'allais dire oui, mais... Mais si, t'as dit tu peux. T'as dit peu. Mais je suis pas fou. Elle avait vraiment rien dit. Elle a rien dit. Je le pensais vraiment. Putain, j'ai été trop gentil, là. J'ai la haine de moi-même. Ah ouais. Bordel de merde. Il a vu, il a lâché la réponse comme ça. Il a même pas attendu. Ben ouais. Mais moi, j'étais sûr qu'elle avait dit oui. On peut. Et après, bah, je sais pas, mon cerveau a dit, bon, bah, on peut. Action, action ou vérité ? Vérité, vérité ou action ? Action ou vérité ? Vérité, mais l'action, c'est la vérité. Il faut savoir avoir beaucoup d'action pour être dans la vérité. Mais sans la vérité, il n'y aurait jamais d'action, évidemment. Ça fait plaisir. Sonia, première action, tu vas me chanter le générique de Pokémon. Oh non. Attendez, j'ai le droit de chercher les paroles, parce que sinon je vais... Tu connais pas les paroles ? Plus ou moins. J'avoue, ça c'est chaud. N'oubliez pas les... Allez, va chercher les paroles. C'est facile à trouver, hein. Tu te dépêches, on y va, et je veux ta meilleure voix, hein. Parce que là, sinon... je vais te lancer un Pikachu dans la gueule, Fatal Foudre, t'es pas prête. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner des dépit. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon. On applaudit, on applaudit. Et Tanilis, action ou vérité? C'est parti, c'est le moment. Vérité, vérité. Vérité, ok, très bien. C'est quoi la musique que t'écoutes, mais t'as en vrai quand même un peu honte de l'écouter? En vrai, j'ai pas honte, mais je dirais... Weshden. En vrai, t'as vu Weshden, c'est... Ouais, c'est dur à assumer. C'est dur à assumer, ouais. Quand même. Maintenant, chante-le. Non. Si tu fais le refrain, tu chantes du Weshden, tu prends 9 points. Je rigole pas. Juste le refrain. Tu prends un take à ton sale et tu hors de ma vue. C'est tout. Mais t'es pas mon rêve, toi? Bien sûr, je suis ton frère. Qui t'a trompé? On va le gommer tout de suite. Je te donne au moins 5 points pour l'effort. Ça va, mais merci. Je suis pas satisfait. J'ai chanté Pokémon en entier avec tout le rythme. On me donne un point. Ok, dit, mais chanter Weshden, c'est honteux. C'est la fin de l'émission, messieurs, dames. C'est la fin de la roue. Nous pouvons désormais applaudir notre vainqueur de la semaine. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Martin, s'il vous plaît. Ce fut un plaisir d'être parmi vous, Martin, Sonia, Aela et Tanidris. Merci encore de votre participation. Vous aussi, si vous voulez participer à la roue, une seule adresse, rtbf.be/laroue. Toutes les informations sont disponibles sur le site. Alors n'hésitez pas, vous aussi, à venir tenter votre chance pour venir vous amuser et peut-être tenter de repartir avec une carte PSN ou Xbox d'une valeur de 50€. Merci encore à tous pour votre participation. On se dit à jeudi prochain, 18h. N'hésitez pas à nous follow sur tous les réseaux. Prenez soin de vous, tchuss l'équipe, bye. Bye bye, bye.